Hello tout le monde, on n'arrête pas de progrès, il fait 8 degrés ce matin. Évidemment. Méga ciel bleu, heureusement, il fait 8 degrés le matin. Les températures vont monter. Je me fais pas trop de soucis, mais quand même, abusé. Donc on est mardi 7 juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je me suis réveillée plus tôt que le réveil. Il est 6h59. 7h quoi. 7h du matin. Donc hier, je suis partie 7h05, 7h10. Là, je suis partie 5 minutes plus tôt. Je me suis réveillée plus tôt. Je me suis réveillée avant le réveil en fait. Parce que je me suis réveillée. Puis du coup, je suis pas allée, je me lève parce que ça sert à rien de se rendormir pour si peu. Ça va être pire. Des fois c'est pire, tu te rendors et après t'es dans le jus. Alors je vais être dans le jus quand même. Donc voilà, donc une belle journée en tout cas au niveau du ciel qui s'annonce. Au niveau du boulot, je pense aussi, j'espère. J'ai rien oublié. Toujours vérifier qu'on n'a rien oublié. Mais généralement je suis assez organisée, je prépare tout la veille et tout, tout est toujours au même endroit. Donc il n'y a pas de raison. Enfin bref, je raconte toujours les mêmes choses, mes pauvres. Mes beaux amis, vous êtes bien mal lotis. Je suis dérimée dès le matin, je suis comme ça. Un peu la ventile parce que j'ai mis un peu de chauffage dans la voiture là, parce que ça caillos. Je suis contente de notre nouveau frigo, je trouve beau. Alors, l'autre était vraiment un truc, un vieux de la vieille quoi, un truc de fou. David il l'avait déjà quand je le connaisse. La machine à laver, elle doit avoir le même âge, je crois, peut-être plus, je sais plus, 18 ans, enfin, je me rappelle plus, mais voilà. Espérons que ce frigo-là nous tienne aussi longtemps. On verra bien. Il est garanti 2 ans, je crois. On prend jamais, nous, les extensions de garantie. Là c'est David qui s'est occupé de l'achat, donc je sais pas si je sais pas, je crois que c'est 2 ans. Peut-être que je vais mettre ça, ça sera peut-être mieux. Je ne vois rien, je navigue à l'aveugle. Bon allez, je vous laisse, vas-y. Il est 7h45, donc c'est cool. J'ai pas mis de temps, je suis en gros plan. Mais revoilà. Il est putain, c'est un truc de fou. C'est complètement bouché. Il est 16h10. Autant hier j'ai mis très peu de temps, je suis un peu cadré bizarre, mais tant pis. Je dis ça tous les jours, je suis un peu cadré bizarre. Bref, donc je ne dirai plus, vous saurez que je suis tout le temps cadré bizarre. Voilà. Je suis partie même qu'hier soir, dans l'après-midi là. Et hier soir j'ai mis très peu de temps pour rentrer, ça roulait, ça enquillait. Et là, depuis que je suis partie, je suis bouchée.
Je sais pas ce qui se passe. C'est la merdasse. Mais bon, il fait beau. Les oiseaux chantent. N'est-ce pas? Faut que je m'arrête en plus. J'irai demain, je sais pas. Faut m'arrêter à la boulangerie. À la pharmacie. En fait, je devais déjà m'y arrêter hier. Parce que ma pharmacie, elle est ouverte le lundi après-midi. Puis hier, je me suis dit, oh, j'ai la flemme. Une fois que j'étais rentrée, je me suis dit, j'ai la flemme. J'irai demain. Demain, c'est aujourd'hui. Et de ce fait, j'ai encore la flemme. Et du coup, voilà. Donc, je vois. Parce que, en fait, hier, j'ai eu la flemme parce que j'étais. En fait, hier, je me suis dit, je suis tellement contente d'être rentrée vite que je ne vais pas m'arrêter à la pharmacie pour voilà, être tout de suite chez moi. Et là, je me dis, putain, je vais passer une heure sur la route. Parce que là, j'en ai bien pour. Bref, j'en ai pour un moment. Et je me dis, bah, quand je vais rentrer, j'aurai envie de rentrer. Quoi. J'ai toujours une bonne raison. Bref, ça peut attendre encore, je pense. Mais... Enfin, je peux. J'irai demain. Je pourrais y aller le midi hein, à mon boulot pendant ma pause. Dès je profitais pour faire ces trucs-là. Surtout que c'est des trucs que je prends que, qui ne sont pas. Rien besoin d'être trop frais. Enfin, généralement, quand on va à la pharmacie, ça dépend, à part pour les vaccins. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pourrais y aller pendant ma pause du midi. Toi, genre, je prends un sandwich, puis je vais à la pharmacie, je fais tous mes trucs, et comme ça, je sens que je suis tranquille, ça peut être une bonne idée, mais je passe tellement de temps avec mes copines, enfin, je passe tellement du bon temps, ça avance pas du tout, là, avec mes cops, que j'ai envie de profiter d'elles, il fait trop beau, on est à la fontaine, là, vous savez, au parc, là, c'est vraiment génial, et je sais pas, on est bien, j'ai l'impression d'être, on va pas dire en vacances, mais voilà, on est trop bien, et je profiter de ces moments-là et de pas aller. Voilà. Peut-être faire que je prenne de l'essence, quoi que. Non, ça va. Autre route, elle a mis 250 km. Ça va. Là, c'est bizarre parce que d'habitude, c'est jamais autant. Autant bouché, ça avance pas du tout, quoi. Soit il y a eu un accident, soit il y a des travaux. Mais dès que je suis partie, ça a bouché. Après, il y avait. Juste avant, il y avait des travaux en fait. Donc il y avait une voie en moins. Donc ça explique. Mais que ce soit bouché à cette heure-là, c'est très très rare. Donc c'est soit un accident, soit. La grosse merdasse. Putain. C'est pas. Comme quoi la route, c'est jamais tous les jours pareil en fait. On peut pas se dire, tiens, ça roule bien en ce moment. Sinon. Je vénère pomme de terre. Voilà. La voiture, enfin, le camion, la camionnette à côté de moi, ils sont en train de manger des glaces. Et donc. Et là, il a un cône, l'autre, il a une grosse glace à l'eau torsadée, vous savez. Je sais pas d'où elle sort cette glace. Peut-être qu'ils ont une glacière. Vous avez prévu le coup, il fait super chaud. Demain, mercredi, là. Non, le mercredi, il prévoit 27, jeudi, il prévoit 29. Bon, allez, je vous laisse. Je suis rentrée et je me suis arrêtée à la pharmacie. J'ai vu qu'il y avait de la place sur le petit parking. Il y a un petit parking. Et donc je me suis arrêtée. Je dis, allez, ça sera fait. Je serai toute contente. Il fait 27 degrés. Enfin, c'est ce qui était affiché dans la voiture. Donc voilà, il fait super chaud. Et demain, pareil, je l'ai déjà dit. Bref. Donc la piscine est ouverte. On va voir si on se baigne ce soir. C'est pas dit. La courgette et le courgette. C'est cool. Ce petit jardin. On a deux variétés. Enfin, on a plusieurs variétés de courgettes.
prends toujours mes courgettes parce qu'il n'y a que ça en fait. On a celle-ci. Oh, je sais pas si on voit. Oh, c'est des courgettes. Hein. Celle-ci, vous voyez, c'est la même variété. Et la grosse, là, c'est une autre. Merde, je perds ma chaussure. Ma claquette. Et celle-ci, c'est une autre. C'est pas la même couleur. Aïe, ça pique. Voilà. Enfin, bref. C'est cool. Donc, comme d'habitude, Alexis est parti en vadrouille avec son copain. Voilà, voilà. Il vit sa belle ville. Hein. Toute l'après-midi, de 14h à 18h, il est dehors. Voilà, ils marchent, ils se promènent, ils vont s'asseoir au jeu, ils font des tours, ils s'assoient, ils se reposent, machin. Voilà, matin il dort, il prend son petit déj, il prend sa douche. Ah non, la douche il va la prendre ce soir. Il joue, le soir il rentre, voilà. Je sais plus si je vous ai dit qu'on a reçu Mario Kart, si j'ai dû vous le dire hier. J'ai joué hier soir avec lui d'ailleurs, c'était sympa. Voilà, voilà. Là il est aux anges. Bah du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Donc c'est cool. Bon, je vais remonter mes affaires. Ouais, j'ai mis du temps, là, j'ai mis une heure. Enfin. J'ai cette chance d'être à la maison tôt. Oh là, ça cogne. Ciel bleu. Bon allez, j'ai rien à dire, je vous laisse. Je vais préparer mes affaires pour demain. 17h40, je ne suis pas en retard. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que je sais que c'est prêt, que voilà, je n'ai pas à me préoccuper demain matin. Je bave en même temps. Comme on dit, tu baves et tu dis qu'il pleut. Et ouais, après je vais faire mon montage. J'ai mis quelques séquences de la route. Voilà, j'en ai mis peu. Voilà. Ce matin, j'ai mis des séquences où ça bouchait, mais finalement, ça a bien roulé après. Donc, mais bon. Puis mon petit passage dans la forêt, tout, c'est génial. Et ce soir, ça... Putain, je m'en reviens pas comment ça bouchait, grave. Alors... Mais voilà. Mais le fait, en fait, de vraiment... Je me répète, je sais, mais... De ne pas me lever à 5h30 et de... Je t'en bruit, hein. De ne pas me lever à 5h30 et de me lever... toi, ce matin, je me suis levée, t'es qu'à 6h. Ça change toute la donne au niveau de la fatigue. Bon, 6h, c'est déjà tôt quand même, mais les autres matins, je me levais... Au départ, j'ai commencé par me lever à 6h30 quand j'ai repris Boulogne. Après, 6h15, bon, là, 6h, mais... ce matin, je me suis réveillée avant l'heure du réveil. Et il y a une nette différence entre... Enfin, 5h30, c'était dur, en fait. Bon, je le savais parce que j'étais fatiguée, mais... Puis là, c'est quand même toute la semaine. Alors, toute la semaine, j'étais que 3 jours, 2 jours avant. Donc là, toute la semaine à 5h30, vu que j'ai possibilité de moduler un peu mes horaires, après, je sais pas, ce sera toujours le cas en septembre, on verra bien comment ça se passera, parce que ce système d'une semaine, une semaine, pour l'instant, il est valide jusqu'au 31 août. Et après, on verra en fonction du Covid, tout ça, de ce qu'annonce les annonces du gouvernement, s'il y a des trucs pour les entreprises et tout. Donc on verra comment, après si ça se trouve, je me relèverai à 5h30. Mais ouais, cette chance de pouvoir, que mon chef accepte que je module la semaine où je suis en Boulogne, je fais moins d'heures et j'en fais plus la semaine où je suis chez moi. C'est un grand, une grande chance. Oui. Bon bref, ça ne dit pas ce que je vais mettre demain. J'ai chanté toute la journée au boulot, j'aurais tout mis dans la tête, c'était génial, hein, moi j'adore. Je pense que ça va les saouler des fois. Bon, je me sors, j'ai déjà préparé mon pantalon tout à l'heure. Je vais mettre un pantalon un peu court, un pantacourt, mais pas un bermuda quoi. Hop. Des petits sous-vêtements. Pas de chaussettes parce que je mets mes petites. Mes trucs genre les Ben Simmons, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, bref. Les chaussures pieds nus quoi. Enfin, pieds nus. Petite basket pieds nus. Je me recadre. Je suis trop contente.
de ma vie. Mais je suis bravo, ce que je vous jure. Je suis bravo, c'est une fille. Enfin voilà, je pense que je vais pas tarder à clôturer. On va rien faire de plus ce soir. Ouais, je suis vraiment. Oh merde, je n'ai pas sorti les bons trucs. I don't understand. Ah, mais je suis embrouillée là, c'est parce que je vous ai à la main. Oui, je suis vraiment contente, je sais plus ce que je disais, bref, de vivre. Je vais mettre son titre parce que. Parce que voilà quoi. Ah, bah c'est déjà l'heure. Voilà, c'est fait. Je pense qu'en titre, je vais mettre 8 degrés le matin, 27 degrés l'après-midi. Voilà. Parce qu'on peut avec ce qu'on a. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.